Salut tout le monde, plutôt les filles, parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo de maquillage que je vous propose de regarder par la suite dans cette vidéo. Bon visionnage. Bon, comme promis, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo avec ma palette. Celle-ci, pareil, sauf que c'est de Révolution. Mais cette fois-ci, on va utiliser les teintes vert et prune. Donc ça va être un peu vert herbe, donc c'est la couleur Pin Tree. Donc... l'arbre de pin, enfin le pin quoi, et on va utiliser donc Mixed Berries, donc le mix des baies, voilà. Et ensuite je vais peut-être compléter tout ça par Pink Champagne, donc champagne rose, et le Fairy Lights, les comptes légers, je sais pas si c'est ça. Donc voilà, on va faire tout ça aujourd'hui. Bon, désolé, je suis un petit peu... J'ai pensé ne pas faire... Enfin, ça va être une vidéo papotage, comme j'ai déjà fait. En fait, j'ai pensé qu'aujourd'hui, je ne serais pas... Enfin, je ne ferai que la vidéo make-up des yeux, mais en fin de compte, je vais faire tout, parce que de toute façon, j'ai déjà démarré, et comme je me suis dit, je vais papoter avec vous, et ben, je vais tout faire en même temps. Aujourd'hui, c'est pas une grande forme, parce que j'ai hyper mal... à l'épaule, c'est en fait c'est tout ça, ça me fait trop mal. Et là j'ai mis, vous voyez, je suis toute rouge, ça brûle parce que j'ai mis un truc pour chauffer tout ça, et ça chauffe. Ça, je peux vous dire que ça chauffe bien, mais tout à l'heure j'arrivais même pas à me lever, j'avais très mal, et j'étais restée en train de dormir jusqu'à 9h30 avant qu'on me réveille. C'est le facteur enfin DSL qui m'a réveillée en me disant que j'avais un colis. Ça c'est top, parce que je vais vous montrer un petit colis ensuite dans une prochaine vidéo. Je pense que vous allez être bien servi, vous n'allez pas être déçus. Donc là, comme d'habitude, je mets mon infaillible de L'Oréal, donc pour camoufler les rougeurs. Bon, moi je me suis dit, j'ai appelé maman, on a parlé avec elle, elle m'a dit bah, prends soin de toi, repose-toi, ne fais rien aujourd'hui. Oui oui maman, je vais rien faire aujourd'hui. Elle a vu quand même hein, dans mes yeux que j'allais pas écouter. Mais bon, après j'ai envie de dire, tant pis pour moi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Elle a bien raison, mais moi je sais que moi-même je vais pas me reposer, parce que je n'aime pas rester là en train de, entre guillemets, mourir, être soupirante, fatiguée, parce que je suis malade. Enfin, pas du tout. Ça, c'est pas du tout mon truc. Après, bon, il y a des moments où on ne peut plus du tout se lever, donc je n'aimerais pas du tout venir à ces moments-là. Je sais en fait pourquoi, parce que j'étais un peu nerveuse ces derniers temps. Bon, ça a déclenché il y a peut-être 3 jours, j'avais déjà mal à l'épaule, mais pas à ce point-là, parce que cette nuit, c'était vraiment horrible. J'avais eu très mal toute la nuit, je ne pouvais pas m'allonger ni sur le dos, ni sur l'épaule droite. Du coup, j'étais tout le temps allongée sur une épaule gauche et tout le temps sur le côté. Sinon, je pouvais pas m'allonger ni sur le ventre ni sur le dos, tellement ça me fait mal. Et au final, voilà, ça a déclenché au bout de 3 jours. Voilà, je prends mon accord parfait de L'Oréal. Au bout de 3 jours, bah voilà, j'ai ça qui apparaît. C'est que, à mon avis, soit c'est bien nerveux, soit c'est le tricot, soit c'est l'ordinateur, enfin, soit c'est la totale, j'en sais rien. Mais je suis sûre que bon, les nerfs ça n'aide pas non plus. Et comme je vous ai dit ces derniers temps, ce voisin est énervé. Donc en fait, si vous voulez, j'ai peur tellement de dire bien et après que ça se retourne contre moi, dans le sens où enfin il fait plus de bruit et puis enfin il recommence. J'ai décidé que soit je vais parler du bruit, soit je vais parler de rien du tout. C'est que si j'en parle pas, c'est que tout s'est arrangé. Et je préfère ne pas évoquer ce sujet, parce que tout simplement ça retourne ensuite et contre moi, et en fait je recommence à entendre le bruit. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Il y a ma factrice, je vais aller chercher le courrier. Voilà, je suis une personne heureuse quand je vois la factrice, le facteur, j'adore aller chercher le courrier, c'est dingue. C'est quand même pas normal, la fille qui va tout le temps chercher, je ne sais pas ce que j'attends en fait. De la factrice, pardon, bon, les factures, ça ne me fait pas énormément plaisir de les recevoir, mais je suis toujours heureuse de voir le facteur passer, c'est dingue.
Ensuite, je vais quand même essayer de terminer mon fard à paupières crémeux de chez Yves Rocher. C'est le numéro 14, blanc perlé. Donc, c'est depuis des mois et des mois qu'il est là. Donc, je le termine quand même. Maintenant, je prends les toutes dernières gouttes pour vraiment terminer les restes. Parce que j'aime plus jeter comme ça les choses que j'aime, en fait. Ça coûte cher, tout ça. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je pense que ça m'a pas mal bouleversé tous ces nerfs qui sortent comme ça maintenant. Peut-être que c'est à cause de ça que j'ai mal au dos, et voilà. Et après, ensuite, c'est sûr qu'en 4 jours, terminer le pull, enfin, je veux dire, il faut être folle. Et je suis un peu folle quand même, donc je pense que c'est à ça qui m'a dû... induire ses souffrances maintenant, et bah c'est comme ça. Écoutez, bon, j'ai un petit peu, je me suis un peu trompée. Non, si. Alors on va commencer par le vert. Et voilà quoi. Donc on va agrandir tout ça. Que les yeux. Donc voilà, maintenant je souffre du dos, de l'épaule, enfin bon. C'est un peu compliqué, donc j'ai envie de vous dire, préservez vos nerfs, ne stressez pas, enfin facile à dire, hein, j'ai envie de dire, mais il faut vraiment prendre soin de soi, parce qu'après, comme vous voyez, à 35 ans, j'ai déjà mal partout, hein, c'est dingue. J'ai parfois les mêmes douleurs que ma mère, alors qu'elle en a à 55, et moi à 35, j'ai déjà pareil. Oui, j'ai une jeune maman. Mais moi, je ne serai plus jeune maman. Malheureusement. Voilà. Bon, ça, c'est ce qui est un petit peu bizarre, c'est que parfois, en appliquant ce fard, il y a des endroits où il est vert émeraude et il y a des endroits où il est vert un peu gazon. Ça, c'est un petit peu bizarre. Je ne comprends pas trop son fonctionnement. Pourquoi c'est comme ça? Il y a une intensité peut-être due à l'appui, je ne sais pas, peut-être due à la... au fard crémeux que je viens d'appliquer tout à l'heure. Ce qui est aussi un petit peu embêtant, c'est que vous me voyez d'un côté c'est plus foncé, de l'autre côté c'est plus clair. On va changer aussi la batterie. J'hésite même à ouvrir la fenêtre, mais il faut que j'aille dans la chambre. Bon, on verra, j'espère que je vais pas tomber plus malade que ça. Bon, je vais enlever au fur et à mesure aussi les fards qui tombent sous les yeux avec mon éventail. Mon sous-éventail. Oh là là, il fait pas chaud du tout. Et maintenant, je vais mettre du violet, donc. Du violet, je vais le mettre ici, un petit peu plus en avant. J'adore mélanger le violet avec le vert. Je trouve que c'est un très joli rendu. C'est un petit peu le même maquillage que j'avais en présentation de la Birchbox. Pas un petit peu, mais normalement, c'est le même. C'est pour ça que je le fais justement, puisque je vous l'ai promis et je le fais. J'aime pas promettre quelque chose, ne pas le faire, autant ne pas en promettre. Voilà, et donc on va terminer par le champagne, donc pink champagne. Ici, un tout petit peu au-dessus. Presque terminé, c'est l'avant-dernier que j'applique. Et puis après, on va terminer par le beige, qui s'appelait cette fois... donc Fade Your Light, donc le beige. Et là je mets vraiment ici devant. J'espère que vous voyez bien, parce que je regarde pas toujours dans le retour de la caméra. Je fais un peu vite là parce que j'ai même pas pris mon petit déjeuner. Le facteur m'a réveillée à 9h30 parce que j'étais tellement bien, en fait j'ai commencé à chauffer mon épaule et que ça m'a fait tellement du bien que je voulais même pas me lever. J'ai pris un paracétamol et puis ça m'a un petit peu soulagée. Mais c'est vrai que c'est hyper désagréable, surtout quand vous avez déjà prévu pas mal de choses et que ça vous fait mal au dos comme ça. Enfin, l'épaule, c'est handicapant. Voilà, on refait tomber, enlever, pardon, tout ce qui est tombé. Maintenant, on va estomper avec un petit pinceau comme ceci. Hop, j'aime bien ces petits pinceaux. C'était comme ça, vous voyez, je crois que j'ai acheté ça sur AliExpress ou Buying Coins, je ne me rappelle pas. Et on estompe tout ça bien.
Ah, ça m'a l'air pas mal. On enlève le surplus avec l'éventail. On va mettre Ah, hier, j'avais mis pas du violet, j'avais mis du vert kaki. Donc, on va mettre le crayon vert kaki aussi. Tout est en brillance, hein. C'est assez nacré. Mais c'est bien joli. Donc deuxième. Et enfin, je vais aller voir bientôt le courrier. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose pour moi parce qu'elle est sortie très vite. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose tout court. Voilà, maintenant on va donc enlever les cernes avec la palette Maybelline. Et enlever tout ce qui est tombé. Et puis ensuite, on va mettre aussi l'highlighter. Donc, je le mets toujours dans les mêmes endroits. Bon, après, j'ai entendu qu'il vaut mieux le mettre là aussi, un petit peu, pour donner un peu de lueur. Comme si c'était des petites larmes. Voilà, et donc, je vais mettre l'anti-cerne le plus clair. Un triangle. Et puis un tout petit peu plus foncé pour question d'estomper tout ça au mieux possible sans avoir trop de blanc en dessous. Ouais, là c'est vrai que c'est. Et oui, j'ai décidé, donc je vais comme d'habitude appliquer tout ça avec le pinceau. J'ai décidé d'utiliser même mes nouvelles palettes parce que ça sert à rien de garder le meilleur pour la fin, mais. Sinon je vais jamais les utiliser parce que vous voyez combien de temps ça me met pour terminer une des palettes ou bien un fard. Ça met quasiment une année encore. Si je l'utilisais pas comme ça chaque jour, très souvent le même, j'aurais même pas terminé la fin de l'année. Donc ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et encore c'était des tout petits, donc je pense que pour des fards c'était type échantillon. Et pour des fards classiques où il y a beaucoup de matière, et ben vous en aurez besoin de plus qu'un an. Et ça me tire mon épaule, la vache. Je suis pas gauchère, je suis droitière, et donc je fais tout avec la main droite. Et là, je vous dis pas comment ça me tire. Ça fait mal. Merde. C'est vrai qu'il faudra du groupe quand même. Malheureusement. Après, mine de rien, je pourrais lire pendant, mais c'est pas ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, par contre. Ça m'embête beaucoup. Bon, maintenant, on va appliquer la poudre bourgeois, Silk Edition, donc édition de soie. Je n'aime pas trop cette poudre, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas la raison, mais peut-être qu'il y a le goût amer qui est resté après toutes ces mésaventures avec Bourjois et du coup j'apprécie moins, mais je pense que c'était bien avant que j'ai même pas trop déjà cette poudre. Mais bon, c'est déjà dans ma maison, donc autant de l'utiliser. Voilà, maintenant on va donc aussi sur le cou un petit peu quand même. Et les oreilles. Maintenant on va utiliser le fard à joues. De couleur un petit peu pêche, donc je vais prendre Zebalm que j'ai acheté sur AliExpress, Cannaboy. Donc vous pouvez vous en douter que c'était pas du vrai Zebalm, mais je l'ai déjà et je le termine. C'est vrai qu'il est très très pigmenté celui-ci, donc faut faire gaffe avec en l'appliquant. Vous voyez déjà, ça se voit beaucoup. Et puis donc je vais terminer par mon highlighter de chez Nuxe. Et là, je vais utiliser les teintes plutôt celle-ci et celui-ci, peut-être un peu doré. Voilà. Là, je vais repartir un peu donc sur l'arête du nez, au-dessus des lèvres. J'aime bien en mettre par-dessus du fard en insistant plus sur les pommettes, au-dessus, sur du fard à joues, voilà. Et donc, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Pour un petit peu appliquer ici dans les coins.
donner un tout petit peu plus d'éclat sans en avoir trop en mettre non plus. Voilà. Et puis on va terminer par le mascara. Hier j'ai fait le mascara noir, mais aujourd'hui je pense que je vais faire le mascara violet, tant qu'à faire, essayer le Kiko que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Et celui-ci il me paraît un peu plus humide que l'autre. Déjà c'est un bon point, il n'est pas sec. Parce que le gris, j'avais l'impression qu'il était un tout petit peu sec. Oh, j'adore le rendu, ça fait très très beau. Très très joli. Et puis ce mascara, il est très fin. Hein. Il vous sépare bien les cils. C'est vraiment très très fin au niveau d'application. C'est sûr que ça ne vous laisse pas des paquets. Vous voyez comment c'est fin quand on l'applique. Bon, monté, il est déjà tout froid. C'est déjà l'heure de déjeuner. Moi, j'ai même pas pris mon petit déjeuner. Bon, bref, j'arrête de me plaindre. Comment ça m'énerve quand je suis à la bourre, hein, quand j'ai dormi beaucoup trop, mais bon, c'était pas à cause de la fainéantise, je sais pas si ça se dit, c'était à cause de ma douleur, donc j'ai dû dormir un peu plus pour chauffer un peu plus mon épaule. Bon, là j'ai entendu ma mère me conseiller de mettre du blé dans une chaussette et de chauffer ça. Bon, le mieux c'est de mettre du sarrasin, quelque chose d'un peu plus moins granuleux que le blé, mais j'ai que le blé à la maison, donc. Voilà, finalement, je vais essayer de chauffer ça dans une chaussette et appliquer ça ensuite sur mon dos, sur mon épaule, pour chauffer un peu plus et soulager un peu mon mal. J'adore, franchement, je ne sais pas comme vous, mais bon, vous allez voir là la totalité de maquillage. Mais moi, déjà, je kiffe parce que je me vois entièrement dans le miroir. Ça fait de très beaux yeux. Voilà. Et ensuite, on va terminer par appliquer le petit gloss que j'avais aussi. Ou bien, on peut essayer, vous savez, on va essayer peut-être ce, comme je voulais tester. Donc, on va mettre le rimmel qui a commencé un peu à sécher. C'est ce rouge à lèvres que j'ai en numéro 610, Eye Flyer. Donc on va l'appliquer et voyez bien que ça commence à sécher. On voit bien la structure, la texture, on voit bien la texture de rouge à lèvres. Vous voyez ça, quand on tire, c'est très sec. Bon, en soi, il est mat. Il est beau. Ça fait peut-être pas tout à fait la bonne couleur pour ce make-up. Mais bon, je voulais tester. Je voulais tester en fait maintenant appliquer, vous vous souvenez très bien de ce gloss que j'ai acheté donc chez Kiko. Et justement je voudrais tester ce transparent en fait à mettre sur le rouge à lèvres qui a commencé un petit peu à dessécher. Bon là c'est sûr qu'on est un peu trop maquillé, j'aurais pu laisser tout sans rouge à lèvres, mais je l'ai testé. Ça va donner un peu plus de brillance et rendre les lèvres un peu plus pulpeuses. Après si vous voulez pas avoir autant de matière, vous pouvez... un petit peu essoré avec votre mouchoir. Voilà. Bon, j'avoue, c'est un peu fort, hein, mais bon, je voulais faire ça. C'est sûr que je suis pas super habillée pour faire des jolies vidéos de make-up, mais bon, c'est comme ça. Je l'ai fait parce que j'ai promis de le faire, mais c'est vrai que je suis un petit peu souffrante aujourd'hui, donc je me suis pas efforcée de m'habiller correctement. Je suis habillée comme je suis chez moi, en fait, tout simplement. Voilà, donc j'espère que le rendu, le résultat vous plaît. J'espère que c'est un joli rendu quand même si j'ai maquillé des lèvres alors qu'il fallait peut-être pas. J'espère que vous aimez. En tout cas, moi j'adore les yeux là, comment ils sont faits. Je trouve que c'est très très joli avec le vert des yeux. Ça fait vraiment très sympa. Le vert gazon et puis le violet prune, c'est un très joli, très très joli rendu, je trouve. Même si c'est nacré, je pense que ça gâche pas... Ça gâche pas le maquillage. Voilà. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!